Je m'appelle Makaïla Nguebla, donc je suis journaliste et blogueur tchadien, réfugié politique en France depuis 2013 pour avoir été expulsé du Sénégal et de la Tunisie. Pour moi, le numérique a joué un rôle important non seulement pour mon engagement en tant que militant pour la démocratie, les droits de l'homme et la liberté au Tchad, c'est parce que grâce à mon blog que j'ai réussi quand même à capter l'attention de l'opinion publique internationale sur la situation dramatique de mon peuple. Savez-vous que j'ai créé un blog depuis le Sénégal? Et à travers ces blogs, j'ai dénoncé par des écrits, par des interviews, la situation dramatique au Tchad. Et ce qui m'a valu, moi personnellement, d'être déjà mis dans le collimateur du régime d'Idriss Déby. Et à partir de mon expulsion en 2013 du Sénégal à la demande du Tchad, tout le projecteur des médias internationaux était tourné vers cette expulsion. Et ce qui m'a permis, moi, de connaître mon combat, de me faire identifier dans l'opinion africaine et dans l'opinion internationale. Et grâce à ces combats, j'ai pu quand même attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe dans mon pays. Et donc, je dirais, pour revenir à votre question, c'est grâce au numérique, j'ai pu quand même faire porter la voix du peuple tchadien qui est opprimé depuis, je dirais, 28 ans par un régime d'Idriss Déby. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, moi qui était privé de mon passeport tchadien, je bénéficie d'un statut de réfugié politique en France. En plus de ce statut de réfugié politique, je bénéficie d'un titre de séjour et d'un passeport de réfugié politique en France. Ça montre clairement que le numérique peut changer, transformer votre vie militante, mais aussi transformer votre vie sociale. Sur mon blog, moi, je me suis engagé sur des thématiques majeures, notamment la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, les questions de liberté et l'alternance dans nos pays. Vous savez, au Tchad, il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes. Au Tchad, on ne peut pas critiquer l'armée tchadienne qui, elle, réprime la population, qui interdit la population à se manifester dans ces pays. Parce que dans ces pays-là, il n'y a jamais eu des élections libres et transparentes où l'opposition peut compétir valablement. Donc, c'est des thématiques qui intéressent la société civile, c'est des thématiques qui intéressent également tous ces acteurs que vous avez, les participants à ces forums, à ces deuxièmes éditions. C'est des gens qui croient effectivement à une seule chose, l'avancée du continent africain, des pays africains. Comme vous savez, ça fait des années que certains pays d'Afrique de l'Ouest s'en sortent, mais d'autres pays d'Afrique centrale sont immobilisés parce qu'il n'y a pas eu de voie d'alternative politique. Le seul message que je voudrais adresser au peuple tchadien qui est au Tchad et à tous ceux qui vont éventuellement suivre cette vidéo, c'est d'être attentif à la situation qui se passe au Tchad. Aujourd'hui, M. Déby a réussi à imposer aux Tchadiens une nouvelle constitution, comme il a fait toujours en 2005, et la constitution est lui est acquise totalement à sa cause. Donc, nous pensons que le peuple tchadien à différents niveaux doit se mobiliser pour attirer l'attention de l'opinion internationale que Déby n'est pas quand même un homme qui puisse quand même être le sauveur comme le voit une certaine opinion qui pense que M. Déby c'est le seul rempart de lutte contre. Or, dans ces pays-là, l'opposition est laminée, la société civile n'a pas droit aux pages, les étudiants, les hôpitaux, les étudiants n'accèdent pas à des formations, les hôpitaux sont fermés. Donc c'est une situation très catastrophique à laquelle tous les Tchadiens à différents niveaux doit se mobiliser pour quand même changer les choses. Changer les choses, c'est aussi participer à des tribunes comme ça. Parce que c'est une grande tribune affectiviste qui nous permet d'attirer l'attention de nos frères africains, d'être aussi vigilants sur la situation au Tchad.